Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est vraiment particulier, c'est unique sur YouTube. Et c'est juste pour nous, nous qui parlons cette belle langue de Molière, encore en 2019, en Amérique du Nord, en Afrique du Nord, en Afrique, en Asie, partout sur cette belle terre, on se rejoint à cause de cette belle langue de Molière. Et c'est ici qu'on se retrouve pour toutes sortes de raisons, et toutes des bonnes. On veut éviter l'endoctrinement, éviter la radicalisation et éviter la propagande. Et on veut savoir ce qui se passe vraiment et comprendre comment on se fait arnaquer. Et ça, c'est certain que c'est universel. Qu'on soit en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, on le sait qu'on se fait arnaquer. Par qui? Nos corrompus de politiciens qui sont une bande de beaux mafieux qui travaillent tous ensemble, main dans la main. Quand vous regardez le crime organisé, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il y a des entités, il y a des ennemis, mais ils réussissent toujours à s'entendre et à se partager un territoire pour que tout le monde s'enrichisse. Chers amis, 24 avril 2019, 22h22, 2, 2, 2, 2. On va parler d'extraterrestres. Je vous l'avais promis, on revient sur le sujet avec deux interventions. Je vais faire deux interventions pour que ça ne soit pas trop confus. La première, vous allez vraiment être renversé, c'est vraiment très intéressant. Ce serait malhonnête de dire qu'on ne s'intéresse pas à ce sujet-là, que vous y croyez ou non, tout le monde, universellement, a une opinion là-dessus, a parlé d'extraterrestres une fois dans sa vie, a entendu parler d'un témoignage, d'une vidéo, d'une photo, d'un objet volant non identifié, ou a vu un objet volant non identifié. Depuis notre tout jeune âge, on est intrigué, on est intéressé par ce sujet. Ça remonte à il y a longtemps, c'est pas nouveau, on peut se rassurer, ça fait des milliers d'années qu'on parle, que nos ancêtres parlent. Peut-être sommes-nous-mêmes, nous, des extraterrestres. Peut-être que nous sommes les extraterrestres. Beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ça serait tellement d'être malhonnête de dire que personne ne s'intéresse aux extraterrestres, que quelqu'un, même dans un salon de thé bourgeois où on joue une partie de bridge en sirotant une menthe poivrée, en croquant dans un petit sablé au bar, de prétendre que c'est un sujet qui ne m'intéresse pas, mensonge et malhonnêteté. Donc, aujourd'hui, l'armée américaine, via la marine plus particulièrement, a changé des règles de témoignage et de divulgation de rencontres extraterrestres par ses membres, par ses soldats ou ses marins, ou ses pilotes. On va aller voir ça. On vient de changer les règles. L'armée américaine, la US Navy, a de nouvelles directives pour le signalement des ovnis. Donc ça, c'est tout frais, c'est d'aujourd'hui, 24 avril 2019. La marine américaine prépare actuellement de nouvelles directives à l'intention des pilotes et autres employés pour signaler toute rencontre avec un aéronef non identifié. Le nouvel effort intervient en réponse à de plus en plus d'observations d'avions inconnus et avancés volant dans ou à proximité de groupes de frappe de la marine ou d'autres installations et formations militaires sensibles, selon le service de la marine. Un certain nombre de rapports d'avions non autorisés et ou non identifiés ont pénétré dans diverses zones de tir contrôlées par l'armée et dans un espace aérien désigné au cours des dernières années, a déclaré la marine dans une déclaration à Politico qui a annoncé son changement de politique. Pour des raisons de sécurité, la marine et la US Air Force prennent ces rapports très au sérieux et enquêtent sur chacun de ces rapports. Donc, en faisant cette nouvelle réglementation, cette nouvelle directive pour le signalement d'OVNI, on essaie de le rendre plus accessible, plus flexible pour les soldats ou les marins ou les pilotes qui auraient rencontré, qui auraient vécu un événement comme ça,
de se sentir à l'aise d'en parler parce que, apparemment, ça se multiplie. Ça se multiplie. Puis ça vient pas d'Hurluberlu, puis de Bachibouzouk, là. Ça vient de la US Air Force et de la Marine. Dans le cadre de cet effort, a-t-il déclaré à Politico, la Marine met à jour et formalise le processus permettant de signaler aux autorités compétentes les informations relatives à de telles incursions présumées. Un nouveau message à la flotte détaillant les étapes de la préparation des rapports est en projet de rédaction. L'initiative est suscitée par l'intérêt croissant des législateurs et du public suite à la publication de fichiers classifiés de la Défense Intelligence Agency qui révélait le financement de projets portant sur des ovnis, des trous de verre, des dimensions alternatives et d'autres sujets obscurs qui mènent généralement à une frange conspirationniste de la théorie. Cette recherche rapportée pour la première fois par le New York Times en 2017 a été financée par le ministère de la Défense dans le cadre de son programme avancé d'identification des menaces aérospatiales et aurait dépensé 25 millions de dollars pour la réalisation d'études et d'essais. Imaginez-vous, d'évaluation de multiples événements inexpliqués. Actuellement, nous sommes dans une situation dans laquelle les ovnis et ces objets-là sont traités comme des anomalies à ignorer plutôt que comme des anomalies à explorer, a-t-il ajouté. Nous avons des systèmes qui excluent ces informations et les rejettent. Donc, on veut pallier à ça. On veut vraiment prendre ça au sérieux et enquêter parce qu'il y en a de plus en plus de ces témoignages de la part de pilotes. En réponse aux demandes d'informations émanant des membres et du personnel du Congrès américain, les responsables de la Marine ont organisé une série de briefings avec de hauts responsables du renseignement naval ainsi que des aviateurs qui ont signalé des risques pour la sécurité de l'aviation. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant et c'est vraiment très significatif. Ce soir, à l'émission de Tucker Carlson sur Fox News, on avait justement un ex-employé du FBI qui parlait justement de cette nouvelle réglementation et ces nouvelles directives sur la divulgation de ces rencontres et de ces témoignages. On va l'écouter ça tout de suite. Well, here's a story that didn't get enough attention. The U.S. Navy has enacted new rules for reporting UFOs. Many of its pilots see things they can't explain. Why the change? We'll ask an expert after the break. In the skies above the United States, even the U.S. Navy isn't certain what is going on. The Navy did just confirm that it is drafting new guidelines for personnel to report encounters with, quote, unidentified aircraft. The goal is to destigmatize the sightings. Donc, on veut déstigmatiser les pilotes qui sont témoins de ça. On veut les rendre confortables et leur lancer le signal qu'on va les prendre au sérieux. Advanced very high-speed aircraft that have been seen quite frequently approaching Navy ships and facilities without explanation. Donc, il y a de plus en plus de ces expériences, de ces témoignages d'avions à très haut, d'appareils ou d'objets volants non identifiés à très haute vitesse qui viennent rencontrer ces pilotes américains, par exemple, dans ce cas-là. And the Navy issued a statement that said, in part, this, quote, there have been a number of reports of unauthorized and or unidentified aircraft entering various military control ranges and designated airspace in recent years. For safe... Donc, dans les rapports même de l'armée, on nous dit qu'il y a de plus en plus de rapports d'engins ou d'objets volants non autorisés qui s'approchent d'endroits contrôlés par les militaires et dans un espace très rapproché. Et ça, il y en a eu plusieurs depuis les dernières années récentes. Safety and security concerns, the Navy and the U.S. Air Force take these reports very seriously and investigate each and every report. Donc, ils disent qu'ils prennent ça maintenant très au sérieux et qu'ils vont étudier chacun
de ces dossiers-là. Part of this effort, the Navy is updating and formalizing the process by which reports of any such suspected incursion. Donc, ils sont en train de formaliser vraiment le système de rapport de divulgation, si vous voulez, et on veut rendre les témoins très à l'aise et leur faire comprendre que c'est sérieux et qu'on les prend au sérieux. Can be made to the cognizant authorities. Unquote. Chris Mallon is a former Pentagon intelligence official. He's closely involved in the History Channel's upcoming six-part series Unidentified Inside America's UFO Investigation. He joins us today. Chris, thanks very much for coming on. So we've gone in a pretty short period of time from the U.S. military not really acknowledging that there is such a thing to them acknowledging that these sightings are so frequent. Donc, il dit, on passe maintenant de... Des services d'intelligence qui, il n'y a pas si longtemps, nous disaient « Bah, c'est tout le... Il n'y a rien de sérieux là-dedans. » Et là, maintenant, ils changent de chanson et ils nous disent « Ouais, c'est vraiment... Il y en a de plus en plus, puis on prend ça au sérieux maintenant. » Donc, c'est un changement de politique complet et d'approche. Il faut un formal process for reporting them. What's changed? Yes, thank you, Tucker. Donc, on est avec Chris Mallon, un ancien... officiel du Pentagone, imaginez-vous, un ancien officiel de renseignement du Pentagone. C'est assez, c'est pas n'importe qui, là. It's an extraordinary turnaround, and it's really the result of an interaction between Congress and the Navy. Il dit, le fait que ça a changé, c'est qu'il y a eu une interaction entre le Congrès américain et la Marine. C'est pour ça que maintenant, on prend ça au sérieux. And the fact that this has gotten on Congress's radar... began some discussions which elevated an issue that before this time had been smothered and kept at low levels of the bureaucracy. Donc les bureaucrates avant que le Congrès s'en mêle gardaient ça vraiment en dessous du radar, hein, sous le tapis. On voulait pas trop éveiller les gens à tous ces témoignages-là. Des pilotes américains, pas des clowns, pas des hurluberlus, là. So now you have more senior policy-making officials. Donc là, il y a de plus en plus de politiciens de haut niveau qui disent « Non, non, mais écoute, il faut qu'on prenne ça au sérieux. Là. Ça peut être une menace incroyable, ça. C'est quoi cette histoire-là? » Hearing in some cases firsthand from the aviators involved and other personnel, they're learning the reality of the issue and they're asking some direct and sometimes tough questions. And so this has elevated this entire issue within the department and kudos to both for engaging well, and yeah. really listening to our men and women in uniform who've been squelched in the past, who've really been treated with disdain sometimes for... Donc avant, on traitait ces gens-là de fous, d'hurluberlus, hein, tous ces témoins de ces rencontres, si vous voulez, de troisième type, mais là, maintenant, ils vont les prendre au sérieux. For reporting what's happening. Well, I mean, and pilots, of course, are trained to discern between aircraft. And... Puis les pilotes le savent, ils connaissent la différence entre un avion ennemi, puis un appareil qui vole à des vitesses tellement phénoménales que tu sais que c'est pas un avion de construction humaine. C'est pas des idiots là. Ils envoient des avions à longueur de journée. Donc, il faut prendre ces gens-là au sérieux, dans le fond. So, like, if there's one group you should listen to, it's pilots. Comme Tucker l'a dit, s'il y a un groupe de gens que tu dois écouter, c'est les pilotes, c'est pas des clowns, là. Ils sont là dans l'avion, puis ils pilotent des avions à longueur de journée. Ils savent c'est quoi un avion qui vole à une telle vitesse, puis un autre qui vole à 200 fois la vitesse à laquelle eux, ils volent. Donc, ils savent bien que c'est pas un avion régulier. How often are these sightings reported? Do we know? We don't know. We believe that probably 8 or 9 times out of 10, they are not reported. Donc, il dit combien de témoignages, combien, à quelle fréquence on a ces témoignages-là? Il dit, le Chris Mallon répond, il dit, on n'a pas vraiment d'informations formelles, mais on sait que 8 à 9 de ces rencontres-là ne sont pas rapportées et détaillées. When there's an encounter. We know from numerous debriefings and interviews that individuals in squadrons, when they bring a story forward, they're the only individual in their squadron usually who's willing to do so or have that discussion. We see the same thing among commercial airline pilots. It's not career enhancing to say the least. We know these individuals are often ridiculed and souvent ils sont ridiculisés, souvent ils sont
pas pris au sérieux. On peut voir ici, hein, de Grèce, quelqu'un qui est en avion et qui est en train de filmer quelque chose de vraiment étrange. We're in the past, which is on va le remettre du début. We know du début, juste pour vous montrer ce que c'est. That individuals and squadrons, when they bring a story forward, they're the only individual in their squadron usually who's willing to do so or have that discussion. We see the same thing among commercial airline pilots. It's not career enhancing, to say the least. We know these individuals are often ridiculed, and we're in the past, which is partly why this is such an important development. Donc, ces gens-là étaient ridiculisés avant. Mais là, maintenant, ils ne le seront plus, et c'est pour ça que c'est important, ce nouveau chapitre dans le processus et le procédé de divulgation ou de témoignage de ces gens, de ces pilotes qui sont témoins de ces événements-là. Donc, on dit maintenant que c'est légitime et que ça a un fondement et que vous devez être à l'aise pour en parler. On voit le... C'est vraiment étrange comme... comme captation. So, but what do they think? I mean, some of the, I was just reading this morning, some of these sightings, again, by military pilots who know the difference, estimate that these are objects moving at 15,000 miles per hour, for example. I mean, that's so much faster than any... Donc, il dit, c'est des pilotes qui sont pas des clowns. Ils savent de quoi ils parlent. Il y a des témoignages de pilotes qui disent qu'ils ont vu des avions parce qu'eux autres, ils connaissent la vitesse. Ils savent c'est quoi la vitesse de vol. Ils ont vu des appareils passer à plus de 1500 milles à l'heure devant eux. C'est très, très rapide, ça, le 1500 milles à l'heure. Il y a trois hypothèses que les gens ont mis en avant et none of them are very comfortable. One is that one of our adversaries has leapfrogged us technologically, China or Russia. Putin has been making some extraordinary claims about Russian technology. Another theory. On voit que ça vole vraiment très rapidement et à des séquences. Donc, il y a des gens qui allèguent que Poutine a des avions extraits. Ils se pètent les bretelles, Poutine, avec une technologie incroyable. Mais la Russie, c'est un pays en pleine misère économique, qui n'a aucun moyen financier. C'est pas plus la propagande qu'autre chose, là. La Russie. Is that these are some test aircraft of the U.S. I think we can discard that now with the Navy itself acknowledging right. These are not. Donc on dit ah oh, c'est des l'armée qui fait des tests que des appareils spéciaux, mais là c'est les pilotes de la marine qui disent qu'ils ont rencontré ces avions là. Les autres ils doivent le savoir, s'il y a des avions spéciaux spécialement testés. Alors c'est pas le cas, donc ça tient pas debout ça non plus. Not American. And the third popular theory, of course, is that these may be from some civilization elsewhere. Donc la troisième théorie, c'est que ça serait une civilisation qui vient de loin. Beyond our solar system. Au-delà de notre système solaire, même. And none of these theories are very comfortable to contemplate. Donc toutes ces théories-là sont pas très, on n'est pas à l'aise d'en parler. Tu comprends autant les la théorie de Poutine qui se pète les bretelles, qui a une technologie incroyable alors que les Russes n'ont rien à manger. Celle de l'armée américaine qui sont en train de tester des engins spéciaux, mais c'est des pilotes américains qui témoignent d'avoir vu ces appareils-là. Donc, eux autres, ils sauraient si c'est ça. Puis, tu as l'histoire d'une civilisation avancée. C'est ça nous met mal à l'aise, comme il le dit Chris Mellon. But we have to look at facts and derive... Mais il faut regarder les faits. Et il faut orienter nos théories avec les faits, non avec... Start with theories and disrule or rule out facts. Et il faut que ça tourne autour des faits et non pas autour d'une théorie en rejetant les faits. I mean, I hope this will get us a lot closer doing this. Just very quickly, are the results of these surveys going to be made public at any point? To the STARS Academy of Arts and Sciences, my colleagues and I, we have drafted some proposed legislation for Congress to consider. Donc, ils disent, est-ce que ça va être rendu public, tous ces rapports-là, ces témoignages-là? Ça n'a pas l'air que ça... En tout cas, lui, il a de la difficulté à répondre à ça, là, Mellon. Yeah. It would simply ask for a report on this. It wouldn't cost any money. Right now... Let's demand one, shall we? Il dit...
Ça coûterait rien d'avoir un rapport. Il n'y a pas de. Il devrait pas avoir de casse-tête à avoir un rapport. Il dit bon, ben comme c'est gratuit, demandons un rapport. One of the problems is nobody's in charge and these organizations don't share information. Donc il dit il n'y a personne en charge et toutes ces organisations-là n'aiment pas ça partager l'information. Donc ça se peut que ça reste secret, ça encore. So the information isn't pooled or analyzed. Right. Well, that's... Donc on ne peut pas avoir l'information et l'analyser. Always, that's the story of government. Chris, thanks so much. Il dit ça, c'est l'histoire des gouvernements. Donc, très intéressant, chers amis. Développement majeur, hein? Des nouvelles directives pour le signalement des ovnis. La marine américaine prépare actuellement de nouvelles directives à l'intention des pilotes et autres employés pour signaler toute rencontre avec un aéronef non identifié. Vraiment intéressant. Je vous reviens avec... Je reviens sur les mégastructures, hein, et les structures de Dyson, et cette théorie qu'on serait probablement visité par nous-mêmes. C'est vraiment extraordinaire. Et ça prend de plus en plus d'ampleur. Et ça ne vient pas de n'importe qui, d'un professeur. Je reviens avec ça. Restez là.